Un important projet de loi sur les municipales en Tunisie, bientôt au Parlement. Le nouveau code des collectivités locales va être présenté en Conseil des ministres en vue de son adoption. Très attendu, il devra définir la répartition des tâches entre pouvoir central et futures municipalités. C'est un code important, peut-être le texte le plus important depuis la Constitution de 2014. Ce projet, nous en sommes à la 18e version. Il sera présenté la semaine prochaine. Ce code devra donner l'orientation de la décentralisation, ses règles dans un pays jusque-là extrêmement centralisé depuis la chute du régime de Ben Ali en janvier 2011. Depuis lors, les villes tunisiennes sont gérées par des délégations spéciales en charge des affaires courantes des municipalités. C'est un projet du gouvernement, mais le gouvernement est constitué par un amalgame de tellement de colorations différentes que c'est pas le projet commun à eux tous. Et lors du vote, lors du débat avant le vote et lors du vote, ça peut aller dans tous les sens. Attendu de longue date, ce projet de loi devrait consolider la transition démocratique en Tunisie lors des premières municipales de l'après-révolution fixées au 17 décembre 2017. Un scrutin qui devra aboutir à une amélioration du cadre de vie des 11 millions de Tunisiens.